Hein, Liu, il y a des mésanges sur les trous noirs. Il y a les mésanges. Bon, c'est, elles n'y vont plus. Celle à la queue jaune et celle à la queue rouge, il y avait. Si, il en reste une. On y va baigner. Des mésanges sur les trous noirs. Allô, je répète. Allô, cognac, j'ai pas. Même plus de rosé. Putain, la cousine, elle fait chier. Hein. On vit à deux sur une bouteille. La science de l'éther, je redonne Descartes, que je te dis. Elle forme alors une gigantesque supernova. Je connais ma position dans l'espace-temps. Ma thyroïde est en pleine forme. C'est pour ça que j'en avais des thyroïdes aussi. Pour faire des troupeaux de Mongols. Au point d'atteindre une taille inférieure à celle d'un atome. Un trou noir est né. On est des bactéries de planète, que je te dis. En fait, vous êtes tous anesthésiés du bocal. Et la petite mésange. C'est la star du joint. Toto, toto. Elle doit le savoir, t'as quel point. Les oiseaux sont les caméras du bon Dieu. Tu vois le truc? J'ai donc voulu obtenir une image. Épisode 4, Dark Vador. C'est comme quand tu regardes une échographie de ton gosse que. Doug fouille dans les archives du télescope spatial Hubble et découvre qu'avant de s'effondrer, l'étoile était une hypergéante. J'étais très enthousiaste, car c'est justement le genre d'étoile dont on pense qu'elle laisse un trou noir après sa mort. Aujourd'hui, lorsque Doug observe. Bon, tout ce que j'ai à me reprocher, je l'ai déjà bien dit au bon Dieu. C'est pour ça que mon âme, elle est en paix. Directeur d'induction d'énergie universelle. Celui-là qui fait battre ton cœur. Après, j'avais un autre truc à dire, je voulais gueuler un peu. C'est l'histoire du coffre-fort. Non, non, mais je filme le coffre-fort. Là, il y avait un gros vase bleu. Il a disparu. On ne sait pas où il est. Et à la place, il y a un coffre-fort de merde qu'on n'a pas le code. Je vais le défoncer, Cécile, le coffre. Je te promets, je vais le dépouiller. Vu que j'ai pas la disqueuse, si, remarque, j'ai la disqueuse. Tant qu'il existe encore. Ouais, c'est ça. Je vais le dépouiller, ton coffre de merde, que je te dis. On ne fait pas ça à sa mère. Quant au pinard, c'est la science de l'éther, tu vois. Si tout le monde buvait un bon coup ou fumait un bon joint, il n'y aurait plus une pharmacie d'ouverte, sauf pour le gel à poufias, si t'as besoin de te faire graisser le trou du cul. Parce qu'attention, je commence à pas être content du tout. Et je te dis que le coffre, je vais le dépouiller. Voilà. Comme ça, et puis c'est tout. C'était l'éternel, c'est Chris Denis, et en plus, il t'emmerde. J'aime pas les protocoles de mes couilles.